Salut tout le monde, c'est Ultimate Assassin. On se retrouve sur ma chaîne et peut-être que sur celle de Code QG pour un petit gameplay sur Call of Duty Black Ops 2 sur une Nuke 2025 en tentative plus de 100 kills et une nucléaire, bien sûr. Hein, si vous faites un plus de 100 kills, ce serait pas très logique de pas faire une nucléaire. Donc voilà, on va donc le gameplay se lance. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais tout de suite commencer par. Pam. Après, non, pas la présentation de ma chaîne, ce sera pour après. C'est d'abord un peu la description du gameplay. Donc là, vous avez pu remarquer parce que c'est en fait, je voulais faire ça parce que c'est souvent, enfin, c'est au début de jeu que ce que je fais peut intéresser des gens parce qu'après, après c'est juste du déplacement et c'est tout. Donc là, j'explique. Donc c'est parti à droite du point A pour ne pas être sur le point B, donc être à l'opposé du point B pour pouvoir, comment dire, éviter tout ennemi et pouvoir rentrer dans le spawn avec une simplicité, mais une grande simplicité. C'est ça qui m'a permis de faire ce gros score, c'est que j'ai rapidement pu pas spawn killer, parce que c'est pas vraiment du spawn kill, hein. Il pouvait m'avoir. Bon, c'était pas des lumières, j'avoue que c'est rare de tomber sur un lobby pareil, mais il pouvait m'avoir, quoi. Là, vous voyez, je vais complètement à découvert. L'autre m'avait pas remarqué. Vous voyez, c'est. Enfin, je bouge, quoi. Il y a la capacité de m'avoir. Donc, vous avez vu, je suis parti à droite. Je suis rentré directement dans la maison. J'ai essayé de pas me frotter à d'autres ennemis. Pas essayer de me faire repérer. Et alors là, j'ai pu vraiment faire un gros gameplay. Donc là, j'ai eu de la chance que le pont n'ait pas réussi à m'aligner. Sinon, j'étais mort. D'après son son, je crois que c'est un cahier G, donc en plus je crois que c'est le fond qui fait le pont, pardon, qui fait le moins dit marqueur. Donc voilà, je joue. Pour décrire ma classe, je joue à la N94 silencieuse garde-main, parce que je trouve que la N des fois a un recul mais tellement tellement énorme que à moyenne distance, les viseurs qui bougent tellement que je vois plus rien. Donc c'est pour ça que j'ai mis cet accessoire là. Je joue comme un secondaire au CAP 40. Oui, il est très puissant, je le sais, mais je trouve que c'est vraiment utile, quoi. Enfin, il y a certaines personnes qui font ça, qui jouent spécialement que au CAP 40. Donc là, petit fail, pas réussi à mettre une balle. Donc oui, le CAP 40, je me balade pas, je cours pas avec, je rush pas avec spécialement. C'est juste si j'ai plus de munitions. Et je déteste le couteau, parce que le couteau, je trouve que ça laisse vraiment aucune chance. Vous mettez un cut et c'est pas comme un fusil à pompe, il peut y avoir un hit marker. C'est pas comme un sniper où il peut y avoir un hit marker. Vous voyez là, j'ai plus de munitions, je change directement. Il y a vraiment, c'est pas pour camper, pas pour rusher, voilà. Donc comme atout, je mets détermination pour léger. Vous pouvez mettre, qu'est-ce que j'allais dire, vous pouvez mettre, laissez-moi réfléchir. Vous pouvez mettre, oula. Excusez-moi, je pouvais mettre gilet pare-balles, j'avais complètement zappé cet atout. Vous pouvez mettre gilet pare-balles car les smos, vous allez le voir dans la un peu plus loin dans la vidéo. Il y a les smos qui sont embêtants, il y a les C4, les Betty, enfin, vous connaissez tout ça, hein. Si vous êtes joueur Call of Duty, vous connaissez bien sûr. Donc voilà pourquoi gilet pare-balles, je peux le conseiller pour certaines personnes. Donc, voilà. Je mets ensuite pillard, parce que pour faire un gros score, bah, c'est essentiel. Si vous voulez toujours rester avec la même arme, aussi. Si pour vous changer d'arme ne pose aucun souci, bah. C'est. Voilà, c'est. Ça change. Personnellement, moi changer d'arme, quand je fais une partie, je prends l'habitude de jouer avec une certaine arme et j'aime pas, par exemple, prendre un. Alors que je joue avec la haine, prendre une mitraillette, enfin, j'aime pas beaucoup, j'aime pas vraiment ça, parce que ça comment dire, enfin, ça change complètement de gameplay. Enfin, c'est pas que ça change complètement de niveau de jeu, parce que là on doit aller plus au corps à corps, moins à distance, alors qu'avec par exemple une N en M4 on peut plus aller à distance, ce qui permet, enfin, c'est voilà, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire.
Et en dernier atout, j'utilise des techniques dextérité parce que je trouve que voilà, donc je débloque ma petite médaille nucléaire étant très content. Je lance l'apoca juste devant ma PS3. Tout à fait. Voilà, je ne dis pas du grand n'importe quoi. Donc oui, donc je mets dextérité parce que la N4 vise très lentement. Je sais pas pour vous, mais c'est un, j'ai une impression que c'est, mais c'est lent pour viser son dextérité. Donc je voulais absolument mettre dextérité. Je trouve que c'était vraiment super utile. Donc capturer l'objectif. Donc voilà, j'espère que ce petit gameplay vous plaît. Hein. C'est un assez gros massacre. Vous allez voir que ça va continuer. Ah oui. C'est bien sûr que si je passe sur Code KG, il faudrait que je décrive un peu ma chaîne. Donc moi, c'est Ultimate Assassin. Je fais des vidéos sur la chaîne John in Ult pour avec par exemple quand même pourquoi John in Ult. Déjà il faudrait parler du nom. John, c'est Johnson, mon meilleur ami avec qui je fais des vidéos. On a eu cette idée de faire une chaîne, donc il fallait qu'il ait un nom, que son nom soit rapporté à la chaîne. Donc merci à lui pour la création de cette chaîne. Donc voilà pourquoi déjà le nom, il s'appelle Johnson, Ult, bah c'est Ultimate Assassin, c'est moi, c'est Ultimate Assassin. On propose surtout, je propose surtout du Call of, mais vous allez voir qu'il y a plein de jeux différents, les jeux basiques, c'est Call of Duty et Minecraft, mais c'est la base des bases, enfin, il y aura un peu plus de vidéos, mais il y aura, comment dire, beaucoup plus, enfin, ce sera très mixte. Il y aura beaucoup plus de... Il y aura des vidéos de tout en fait. Il y a une vidéo que je prévois sur Warframe. Sur Warframe. Qui est un jeu... bah vous le verrez si vous vous abonnez à ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Si vous le verrez si vous vous abonnez à ma chaîne. Et si vous regardez mes vidéos. Qui est un jeu très 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 chouette. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, du zombie. Donc oui, vous avez toujours pas remarqué, si la vidéo passe avant le 16 mai, bah, vous allez sûrement pas voir. Si la vidéo passe, comment dire, avant le 20 mai, bah, vous n'allez pas voir The Mob of the Dead. Pourquoi? Parce que, comment dire, bah, moi je suis sur PS3 et le pack de map sort, le pack de map Uprising sort le 16 mai. Donc un mois après la Xbox, donc vous avez eu largement le temps de découvrir la map si vous ne l'avez pas eu. Enfin si vous êtes sur Xbox et vous avez eu déjà largement le temps de voir des vidéos de cette map avec les autres youtubeurs. Hein. Donc moi ce sera pas des vidéos exclusives, mais c'est bon, voilà, vous voyez pourquoi j'ai par balle le SMO. Donc ce sera pas des vidéos exclusives, mais je sortirai sûrement des vidéos sur les nouvelles maps telles que Vertigo, Magma, surtout sur Mob of the Dead, ça c'est quelque chose que je tiens beaucoup à sortir. Et donc voilà, ce gameplay va bientôt se finir, je crois que vous pouvez le voir au compteur. Donc si GotQG me prend et veut bien mettre cette vidéo sur sa chaîne, je le remercie beaucoup. Oui, il y a peut-être un petit problème de calibrage, mais ça j'ai plus rien, j'ai dû tout régler sur mon PC, j'y comprends rien. Donc voilà, en gros voilà, donc j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Laissez un j'aime, ce qui me ferait énormément plaisir si ça passe sur le code QG et ce qui ferait énormément plaisir sur ma chaîne. Et si Code QG me prend, je le remercie encore 100 fois pour ce qu'ils auront fait pour moi, ce qui m'a fait énormément plaisir. Donc j'espère que ce gameplay vous aura plu, laissez un j'aime, et à la prochaine peut-être sur ma chaîne. Salut tout le monde, bye. Et je finis sur un score de 117 hein, quand même. 117.